Et yo tout le monde, yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fishing Planet, le jeu de pêche gratuit de PlayStation. On est parti tout de suite pour pêcher des poissons, comme son nom l'indique. On va essayer de prendre un peu toutes les espèces. En fait, à la base, j'avais fait un premier épisode où je pêchais un petit peu. Et en fait, le son, il était pas activé. Comme un con, j'avais pas activé le son. Du coup, vous n'avez pas de son. À la base, je voulais poster un épisode. Le premier épisode où j'avais pêché un joli poisson, tout vert avec des lunettes de soleil. Donc, au pire, je vous le mettrai à la fin de l'épisode. Donc, restez pour voir le poisson. Oh, poisson. Nickel. On commence bien la vidéo. Une ménée à queue noire. Nickel. Ça enlève un poisson de l'objectif. Ok. On va changer de spot. On va faire un poisson, on change de spot à chaque fois. Hein, parce que. Je vais lancer là. Je vais pas m'accrocher. Nickel, c'est bon. Ok. Donc en gros, comme je disais, j'avais fait un premier épisode. Mais ça marchait pas. Le son. Poisson. Le son, il buguait. Qu'est-ce que c'est? Un crapet à oreilles rouges. D'habitude, je prends que des crapets arlequins et là, en plus, il me le faut. Il me faut la ménée jaune et le crapet arlequin. On va se mettre. On peut pas se mettre sur ce spot. Les gars, ça sert à rien, on va se faire péter dans 2 secondes. On va se mettre là. Mais c'est dommage que là on peut pas aller sur ce spot. Mais bon, c'est pas trop grave. Je pense là le plan, ça va être qu'on crée, enfin qu'on se fasse un max d'argent avec en attrapant des poissons et que après on puisse acheter du meilleur matos. Ça va être le but. L'objectif, pouvoir acheter un rod pod, pas un rod pod de grosse qualité pour moi parce qu'il faut être un plus gros niveau, une touche. Mais on verra après. Oh, une ménée jaune, nickel, on l'avait pas, donc il reste plus qu'à attraper un crapet arlequin. Et ça sera bon. Et ça sera bon. Spot à crapet arlequin, je crois c'est celui-là ou l'autre. Je crois c'est là où il y a beaucoup de crapet arlequin. Je sais plus si c'est celui-là ou l'autre d'à côté. Bref, on est là, on se détend, on est tranquillou, posé, pépouze. En train de pêcher sur la play. En espérant prendre du poisson. On a une touche, c'est carré. Attends, d'abord faut tout ce qu'on tue. D'abord faut qu'on tue tout Une le ménée monde. jaune. Ok. On va l'essayer au ponton. D'habitude, c'est vraiment le crapaud arlequin que je galère le plus à prendre, mais bon. Écoutez, là, c'est pas le cas, donc on va essayer de le prendre. Voilà, nickel. Ok, on attrape un nénuphar. On va se mettre en plein milieu, tac. Nickel. Mince. J'ai trop relevé. On va attendre d'avoir une petite touche. On est au vert du fumier. Eh, ça se trouve, les crapets arlequins, ils prennent pas au vert, pardon. On va voir, là j'ai une touche. Crapé. Marigane blanche. Ce poisson ne rentre pas dans votre vivier.
Non. Je me souviens plus comment on fait pour changer de... D'appât. Ah si. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais en fait c'est... Ok, nickel. On va mettre un peu de pain. On va essayer si avec du pain on prend un craperlequin. En tout cas, si cette petite série vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à lâcher votre plus gros pouce bleu. C'est super important pour me faire part de votre... Comment dire? Que bah de votre appréciation de la vidéo, si ça se dit, dans le fait que vous appréciez la vidéo. Au moins, je pourrais le voir et j'ai pas l'impression que ça prenne au pain sur ce spot. Donc on va aller faire un tour. On a fait le tour du lac, hein. Puis on va aller faire un tour par là-bas. Ça va changer un petit peu. Donc pour ceux qui veulent savoir, le jeu est entièrement gratuit. Je crois par contre qu'il y a juste des... Ouais, il y a des DLC, je cherchais le mot. Il y avait des DLC payants pour avoir des cannes à pêche, tout ça, mais vous pouvez vraiment jouer au jeu gratuitement. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Si j'achète un DLC, je vous préviendrai. Ok, on a une touche. Un petit crapet. C'est quoi une minée jaune? Minée à queue noire. Vous ne pouvez pas mettre ce poisson dans le vivier. C'est quoi? C'est que mon vivier. Ah, c'est qu'il est trop grand. Exploration Lesney Villa. Ah, donc ça veut dire qu'on a débloqué un nouveau. C'est-à-dire qu'on a débloqué un nouveau. Mince. Un nouveau petit j'arrive pas, ouais, lac, un nouveau petit lac. Bah, j'ai complètement perdu le mot. Ok, je cherchais la touche et en fait c'est comment qu'on fait? Ah mais non, c'est... C'est d'un vivier. On fait pour tout revendre. Ah oui, c'est celui-là. Regardez. C'est celui-là que j'ai pêché. Bah, du coup, vous n'aurez pas besoin d'avoir de petites photos à la fin. Mais en vrai, bah, c'était des barres. Cancre marégane verte. Un poisson avec des lunettes de soleil. C'est rigolo. Mince, du coup, c'est même pas ça que je voulais faire. C'est comment tout vendre. Comment tout vendre. Le problème, c'est que si je fais tout, enfin relâcher. Le problème, c'est que... Mince, j'ai relâché le poisson vert. Ouais, je gagne pas d'argent. Donc je sais pas si c'est normal. Donc on va tous les relâcher tranquillou pour qu'on puisse continuer à pêcher des poissons. Marégane blanche et crapet oreille rouge. Hop là. Faudra par la suite
qu'on améliore. Oh, espèce. Ah, c'est là, ok. Chasseuse. Non, météo, c'est pas ce que je veux. Ok, barre mouchetée, il nous le manque. Brochet vermiculé, il nous le manque également. Le buffalo à petite bouche, il nous le manque. Craperet rouge, craperlequin, margane blanche, ménéque noire, ménée jaune, perche soleil Ça verte. Et il me manque le silure. Bah, le poisson chat acheté, va? mais Mort. c'est la même chose. Mort. Son 4. Attends, pardon. Re, je suis revenu. On part. Tenez, on va essayer ce petit spot. On va réessayer, on va faire un petit tour au pain. Pour tester. Oh, déjà une touche, c'est parfait. Essayer de prendre un craperlequin. C'est gros. Marigane blanche. Ça me fait pas plaisir. On va essayer là. Non, j'ai pas de kit. T'en occupe pas. Je t'en fous, moi. Le crapin. Il con ou quoi? Touche, on a une Touche. touche. Oh, ferré, j'ai pas vu. Poisson. Ménée jaune. Oh! Nickel! On a une nouvelle. C'est quoi ça? Déjà éteint, je me souviens plus du nom. Quoi? Une bourriche. Une bourriche, nouvelle bourriche, bien vu. À chaque fois, j'oublie le nom. Je pense qu'on va finir l'épisode sur le fait qu'on se crée une petite canne pour le leurre, comme ça dans le prochain épisode on pêchera un peu au leurre. Allez. Ça serait bien qu'on boucle ce défi-là assez rapidement. Attraper un craperlequin, ça m'a pas l'air trop compliqué. Attendez. Il est où le craperlequin? Mais je l'ai déjà pêché. Vers du fumier, putain, je suis bête. Non. Prendre les vers du fumier. Et on va l'harceler, ce petit craperlequin. Et au pire, après on testera une nouvelle stratégie. Je vais suivre les gens dans le chat de la partie. S'il y en a un qui pêche un craperlequin, je fonce à côté de lui. Oh. Craperlequin, let's go. Les gars, petit défi terminé. On a ramassé, voilà. Petit crapé, enfin petit bouchon, je veux dire, n'importe quoi.
Donc, on a tout ce qu'il nous faut maintenant. Il faut qu'on aille dans les missions. Comment ça, 9 missions? Ouh! Oh, Explorer Lone Star 2. On va suivre la mission. Et on va attraper un barmoucheté, un broche vermiculé, un buffalo à petite bouche et un poisson chat acheté. Déjà, on va être obligé de quitter le lac. On a un peu plus d'argent, on est à 10 000, quasiment 10 000 d'argent. On va pouvoir se faire une petite canne sympa, je pense. J'ai vu, on avait débloqué des petits leurres vraiment plutôt sympathiques. Donc, vous voyez, en gros, là, la boutique au niveau des lacs, elle est vraiment très chère. Alors que là, en vrai, les prix sont chers. Attention, c'est cher. Mais les prix sont un peu plus raisonnables, je trouve. Non. Canne. Canne spinning. Et fais-leur. On va acheter celle-là. Maintenant, il suffit d'acheter le moulinet qui va avec. J'ai envie d'acheter celui-là. Il fait l'heure, donc c'est parfait. On va acheter le plus cher. On a de l'argent, donc autant en profiter. Fil de pêche. Ah, attendez, vous allez me dire, je vais peut-être en avoir. À la maison. Non, donc il va falloir que j'achète du fil de pêche. Allez, c'est parti, on achète ça. Équipement, outils, épuisette, vivier. Il va nous falloir. Attendez, c'est quoi ça, veste de camouflage? Monture, ligne 1, madre de jean, mouliné 0, composant à pas. Ok. Donc, nous déjà, on va sacher le truc pour tenir les cannes. Attendez, il y en a combien? Ok, deux moulinets, deux cannes. Pour un magasin poisson. Poids total des poissons, on va acheter aussi la bourriche, parce que au moins on aura de la place pour mettre du poisson. On sera plus gêné avec ça. Bon, pour le brochet, personnellement, moi, je prendrais une petite cuillère. Je vais en acheter. En acheter pour 910 euros. Je vais en acheter 7. Je pense que c'est raisonnable. Et on va se prendre un petit jig. Et normalement, je sais pas du tout si c'est réel ou pas. Ah non, je peux pas. Ah si, je peux. Je vais en acheter deux. Voilà. Et est-ce que l'on peut y mettre un trailer? Et en acheter pour 500 dollars. Hop. Nickel.
Donc là, on va dans inventaire. On a. Ok, deuxième canne. Donc on va mettre la canne. Le moulinet qui va avec. On va mettre le monofilament. Couper la ligne. Hop. On n'a pas de bas de ligne. Faut qu'on achète un bas de ligne. Oh les gars, je vais lui mettre un escope dans son crâne. Oui, pardon, mec. Le poids de la monture optimale. Est-ce que par la suite, est-ce qu'on peut mettre un petit shad? Le leurre est trop lourd, ça va casser la ligne. Comment ça? C'est un petit shad. On va écouter, on va l'enlever. J'aimerais bien, pourquoi pas, mettre un petit bas de ligne. Non, c'est pas ça qu'on souhaite avoir. Monture. Voyons voir ce qu'on a à faire. Laisse-moi. Il n'y a pas de petit badly. Bref, c'est pas très grave. On peut pêcher sans. C'est pas un problème. Juste, par contre. Sans cesse, sans mettre. Sans cesse. Ok, je crois que c'est celle-ci. Ok, nickel. Donc là, normalement, on peut aller à la pêche. On peut aller à la pêche. C'est nickel. Alors, on va tester un peu au leurre. Au leurre, moi, j'aime bien ce spot-là. Ça peut faire quoi dans ce spot? J'aime bien ce petit spot-là. Donc, le leurre, pour ceux qui ne pêchent pas, c'est une pratique sportive de la pêche qui consiste à lancer et ramener tout en effectuant une petite comment dire une activité dans l'eau pour que le poisson soit attiré. Donc vous voyez que là on a une touche hein, on l'a bien vu. On a un poisson derrière, c'est sûr. Après, malheureusement, on ne prendra pas de brochet avec un jig, je pense pas. Je pense qu'on prendra plus du black bass, mais sachant qu'il n'y en a pas. Si on peut prendre un bar moucheté, je crois. Ah, c'est les gars, on retourne à l'endroit. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Oh, poisson! Mais non! Un bar moucheté! On le garde quand même, c'est pas grave, on payera 130, 100 euros. 100, ouais, 100 euros d'amende. Quelle chance, aucune amende cette fois. Mais la prochaine fois, c'était proche. Ok, on a eu la chatte à Mireille, comme on dit dans le milieu. Oh, on a vu le poisson là, le bar moucheté, je crois bien, qui a sauté. J'espère que ce petit spot est un bon petit spot
Pour les poissons en l'air, les carnassiers. PS5. Poisson. Ultime. Ah ouais. Allez, on tient peut-être une belle bête là. Hein. On tient peut-être une belle bête. Falloir rester patient. Bien gérer le combat et je pense que ce sera le dernier combat de la vidéo. Je pense que ce sera le dernier combat de la vidéo. Ça c'est un... Je sais pas mais je pense que c'est un gros poisson. Ça doit sûrement être un gros poisson. J'espère juste que rien ne va casser. Là, Déjà, pourquoi on a un ils ont bon pas petit donné ce duel. que On a un bon petit duel, c'est plaisant. Ah, le but, ça va être de l'épuiser. Allez, vous voyez, déjà, on revient petit à petit. Là, vous voyez, on était à 30 mètres il y a 2 minutes. On est à 20 mètres maintenant. À mon avis, il est balèze. Bah, du moins, j'espère. Tout cas, il a de l'énergie avant le petit poisson. Oh, mais dites pas que c'est un tout petit poisson quand même. Dites pas que c'est un crapaud, Lucas. Ah, sinon, là, je pète un plomb. Ça serait mieux que ça soit un brochet. Faut rester concentré là, le combat est interminable. Allez, plus qu'à 11 mètres, 10 mètres. Plus qu'à 10 mètres. On va enfin pouvoir voir quel est ce spécimen. J'espère que c'est un petit brochet. Oh non, ça va être un barbouchet. Oh là là. Même, il est même pas trop fait en plus. Par contre, il est balèze. Il est balèze. 36 cm. Bref. Vérification du poisson. Ah, vous avez reçu une amende. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'espère que ce petit dernier combat vous a bien plu. Moi personnellement, j'ai kiffé. À la fin, j'ai cru que c'était un brochet. En fait, non, c'était un barmouchet. Mais bon, c'est quand même un poisson à prendre. Donc voilà.
Donc du coup, n'hésitez pas à activer la cloche de notification surtout, pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, que ce soit du Fishing Planet, du Power Wash Simulator ou même du Minecraft. Comme ça, vous êtes à l'affût de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Que je sors, pardon. Et pouvoir aussi que je pêche plus de poissons sur Fishing Planet pour voir la suite des épisodes. Donc sur ce, je vous laisse. Restez comme vous êtes. Ciao.